Merci Jean-Daniel pour cette introduction. Bonjour à tous. Peut-être rapidement avant de commencer, je voudrais juste déjà remercier Jean-Daniel de m'avoir invité à donner ce dernier séminaire qui conclut son cours. Remercier aussi Jean-Daniel, je n'ai pas été là absolument toutes les séances, mais presque. Donc remercier aussi Jean-Daniel pour le cours, très joli cours qu'il nous a donné. Et donc, pour terminer, je vais vous parler un petit peu d'analyse topologique des données. En fait, ça, je vais reprendre pas mal de points en fait, que Jean-Daniel a mentionnés, soit au cours de son cours, soit tout à l'heure, là, dans l'heure qui précédait. Donc, on va regarder un petit peu. Je ne vais pas faire un tour complet du sujet parce que c'est un domaine qui a connu un développement très fort depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et puis, donc, ce serait difficile en une heure de dresser un panorama du sujet. Je vais plutôt essayer de choisir quelques petits points et vous donner quelques idées des travaux qui ont été faits par notre équipe aussi. Et puis, surtout, vous présenter un sujet que Daniel a mentionné, qui s'appelle la théorie de la persistance, qui est un des piliers, un objet central dans l'analyse topologique des données. Donc là, l'introduction, je vais aller assez vite parce que finalement, Jean-Daniel vous en a déjà pas mal parlé tout au long du cours. Et qu'est-ce que c'est que l'analyse topologique des données? Ben, c'est quelque chose qui part un petit peu de l'observation que finalement, quand on a des données, très souvent, ces données, on peut voir chaque observation comme un point dans un espace. Alors, ça peut être dans un espace euclidien, hein, c'est-à-dire pour chaque observation, vous avez un certain nombre de mesures, et puis vous voyez ces mesures comme des coordonnées d'un point dans un espace qui peut être de dimension éventuellement grande. Ça peut être des choses un petit peu plus compliquées. Des fois, vous avez des données, vous n'avez pas forcément une représentation de la donnée dans un espace euclidien déjà plongé, mais vous avez par exemple des choses, c'est-à-dire que vous avez des observations, mais vous savez à peu près mesurer les distances entre les observations. Et vous n'avez pas forcément de coordonnées pour décrire ces observations, pour les paramétrer. Je vais revenir un petit peu là sur ces images. Et puis il y a aussi, de plus en plus de nos jours, une donnée ou une observation, ça peut être quelque chose de plus complexe. Ça peut être un objet géométrique lui-même. Ça peut être par exemple un objet 3D ou quelque chose comme ça. Ça peut être une observation, une donnée. Et du coup, les jeux de données ou les ensembles de données, c'est des points dans des espaces de forme ou des choses comme ça. Donc ça peut être a priori assez méchant ou assez varié. Donc voilà. Et alors, quand on regarde un petit peu ces données, dans de nombreux cas, on s'aperçoit que ces données ont tendance à. Sont pas distribuées uniformément dans l'espace dans lequel on les observe, mais ont tendance à être structurées autour d'objets de dimensions souvent plus petites. Qui sont porteurs d'une géométrie ou d'une topologie. Alors, je vais juste illustrer ça un petit peu sur les exemples, les images qui sont au-dessus, puis vous donner un petit peu une idée du type de données auquel on peut penser. Donc là, l'exemple de gauche, je vais aller très vite, c'est l'exemple, en fait, c'est ce dont Jean-Daniel a déjà beaucoup parlé dans les premières parties du cours, c'est que ça, c'est par exemple, vous avez un scanner. Avec un scanner, vous scannez un objet physique, vous récupérez un nuage de points, donc des coordonnées x, y, z, qui sont échantillonnées à la surface d'un objet physique. Donc là, évidemment, les données ne sont pas échantillonnées n'importe comment dans l'espace 3D, mais elles sont vraiment collées, vissées à un objet physique sous-jacent. Et là, on se pose la question que vous avez vu, problème de reconstruction, est-ce qu'on s'est retrouvé à partir de cet ensemble discret, de cet échantillonnage d'un objet physique sous-jacent, sa géométrie, sa topologie, etc. Quel genre d'informations on peut récupérer sur cet objet-là? Dans le meilleur des cas, est-ce qu'on peut en reconstruire une approximation qui soit fidèle? Donc ça, c'est le cas un petit peu gentil, en tout cas du point de vue analyse des données. Après, il y a le cas toujours, si vous regardez l'exemple qui est à droite, qui est toujours en dimension 3, mais qui est un petit peu différent là. Alors on ne voit pas très très bien là avec le vidéoprojecteur, mais c'est un nuage de points en dimension 3, et chaque point ici, ça représente une galaxie dans l'univers. Donc si vous voulez, on a un repère x, y, z, et puis c'est la position d'une galaxie décrite par sa coordonnée x, y ou z. Et les gens qui font de l'astrophysique, hein, je ne suis pas du tout astrophysicien, donc s'il y a des gens qui sont astrophysiciens dans la salle, peut-être qu'ils vont me dire que j'ai des bêtises. Mais grosso modo, savent depuis longtemps que la matière, elle ne se distribue pas de manière uniforme dans l'univers et qu'elle a tendance à se structurer ou à se concentrer autour de structures comme ce qu'on voit plus ou moins bien là sur l'image, qui sont plus ou moins filamentaires, alors avec des structures 1D filamentaires branchées entre elles et puis des fois des espèces de feuillets
de dimension D, et puis il y a des grands trous sans rien au milieu ou sans presque rien. Et là, quelle est la différence là, avec le cas précédent? La différence, c'est qu'on est dans un cas où déjà la structure géométrique sous-jacente est moins claire, et puis en plus, on n'est pas dans un cas où on a échantillonné un objet physique. C'est-à-dire, ces structures filamentaires, les galaxies, elles ne sont pas pendues à des fils ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ici, quand on se pose la question de quelle est la topologie ou la géométrie sous-jacente à ce genre de données, on ne peut pas se raccrocher à un objet physique réel sous-jacent. C'est donc, quand on veut essayer d'extraire de l'information de nature un peu topologique ou géométrique de ce type de données, il faut aussi donner du sens, savoir quelle est la cible, qu'est-ce qu'on vise. Quel est l'objet qu'on essaye d'attraper? Quelles sont les quantités qu'on essaye d'attraper? Et là, on n'a pas une... Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis après, on peut regarder on s'autorise aussi, quand on fait de l'analyse topologique des données, à regarder des jeux de données plus complexes. Donc là, par exemple, si vous regardez un petit peu en bas, les deux images du bas, ce qu'on a ici, alors c'est quelque chose, ça vient de... C'est des données qui sont collectées par des téléphones portables. C'est des données, par exemple, c'est des données d'accéléromètre. Donc un accéléromètre, c'est un petit capteur. Vous en avez un dans votre téléphone. Si vous avez un smartphone, vous en avez un dans votre smartphone. Et qui, tout le temps, va mesurer un vecteur d'accélération, ou l'accélération du téléphone, du smartphone. Donc vous l'avez sur vous, il mesure en gros votre accélération à chaque instant. Donc ce qu'on récupère quand on fait ça, c'est des séries temporelles à valeur dans R3, où à chaque instant, on mesure un petit vecteur d'accélération. Et puis là, j'ai mis deux exemples. Alors d'ailleurs, je suis en train de vous raconter des histoires, parce que sur mon image, ce n'est pas des accéléromètres, c'est des magnétomètres. C'est-à-dire c'est des capteurs qui mesurent le champ magnétique, mais c'est pareil, c'est un champ en dimension 3. Et puis un problème qui intéresse beaucoup de gens actuellement, c'est de dire une observation, ça va être de regarder cette série temporelle pendant un petit intervalle de temps, une seconde, deux secondes. Puis ça va être mon observation, et puis je vais en avoir plein. Et puis je vais vous suivre au cours de la journée, et puis à la fin de la journée, je vais me poser la question, comment sont structurées ces observations qui sont, où chaque observation, c'est elle-même un nuage de points en 3D. Et est-ce qu'à partir de ça, je vais être capable de savoir ce que vous avez fait de votre journée, quel genre d'activité vous avez eu, ou combien de kilomètres vous avez fait à pied, ou des tas de choses comme ça. D'accord ? Donc là, c'est un autre cas où les données, c'est vraiment l'observation elle-même, c'est déjà un nuage de points en dimension 3. Et puis, un autre exemple au-dessus, c'est l'image qui est du dessus. Là, c'est que les données, chaque observation, si vous voulez, c'est mon jeu de données, c'est une base de données de forme 3D. Donc là, par exemple, c'est des formes de visage. Donc chaque observation, c'est une surface, c'est elle-même déjà un objet géométrique. Et on peut s'intéresser à la question d'essayer de comprendre comment sont structurés ces grands jeux de données, grandes bases de formes, grandes bases d'objets 3D, etc., pour, par exemple, faire de la classification ou repérer certains phénomènes, etc. D'accord ? Donc, voilà quelques petits exemples de données auxquelles on peut s'intéresser quand on fait de l'analyse topologique des données. Et en gros, l'idée de l'analyse topologique des données, c'est de dire le point commun entre toutes ces données, c'est que finalement, quand on a ces observations-là, ce qu'on a, c'est qu'on a ces données, et puis on a une façon de mesurer à quelle distance, une distance ou une proximité entre des données voisines. Donc quand on commence à donner des relations de voisinage et à dire qui est voisin de qui, on est plus ou moins implicitement en train de construire un espace topologique. Et la question maintenant, c'est de dire, avec tous les outils qui viennent de la géométrie algorithmique, dont une bonne partie a été présentée par Jean-Daniel, est-ce qu'on serait capable de dire des choses intéressantes sur cette topologie sous-jacente aux données? Donc, grosso modo, la définition très grossière de l'analyse topologique des données, ce serait de dire, l'analyse topologique des données, c'est tout ce qui va me permettre d'attraper de l'information de nature topologique ou géométrique pertinente sur des ensembles de données comme ça, que je vois dans ce cas-là un peu comme des espaces métriques, c'est-à-dire des ensembles de points avec une notion de distance entre eux. Et après, il y a une autre partie dans l'analyse topologique des données qui est d'essayer, une fois qu'on sait attraper de l'information de nature topologique, des descripteurs topologiques, de les exploiter pour d'autres tâches, par exemple, Jean-Daniel a un peu parlé, faire de la classification, du clustering, ou de l'apprentissage, ou de la reconnaissance, ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu pour une introduction
analyse topologique des données. Je ne vais pas m'arrêter sur les challenges et les difficultés parce qu'ils ont été déjà présentés par Jean-Daniel. Donc, il y a cet aspect que finalement, la topologie, souvent, c'est associé à des espaces plutôt continus. Si on va attraper des invariants topologiques et des descripteurs topologiques, il faut avoir des espaces continus sous-jacents. Un ensemble fini de points ou de données en tant que tel, si on ne lui met pas de la structure, si on ne construit pas des structures un peu dessus, ça ne dit rien d'autre que c'est un ensemble fini de points. Donc on a besoin de faire des constructions, des choses comme ça, construire des triangulations ou des complexes simpliciaux sur ces données-là. Il y a des questions qui ne sont pas complètement évidentes au premier abord, c'est de dire que quand on va essayer d'attraper de l'information topologique, qu'est-ce qu'on va pouvoir considérer comme étant de l'information pertinente et puis qu'est-ce qui va être du bruit, par exemple, dû au fait qu'il y a du bruit dans les données. Donc ça, il faut arriver à mettre en place des outils qui permettent de séparer le signal du bruit, ou en tout cas de donner un sens à ça. Jean-Daniel l'a mentionné il y a quelques minutes. En plus, même si les données sont échantillonnées sur des objets sympas et très réguliers, il peut y avoir des phénomènes d'échelle qui fait que suivant l'échelle à laquelle on considère les données, on ne voit pas du tout la même topologie ni même la même géométrie. Et puis après, ici on va prendre un point de vue plus analyse de données, il y a une composante qui est importante, c'est un peu la composante statistique. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait comprendre un peu les comportements statistiques des quantités topologiques qu'on va être capable d'associer à des données. Donc c'est un petit peu de tout ça dont on va discuter. Avant de rentrer dans le dur du sujet, quelques petites remarques qui motivent aussi un petit peu, ou qui en tout cas quelques arguments en faveur, disons, d'approche un petit peu topologique pour analyser des données. C'est que quand on s'intéresse à des quantités topologiques, les invariants topologiques, les descripteurs topologiques, c'est des choses qui sont invariantes par homéomorphisme. D'accord? La topologie s'intéresse à des objets qui sont invariants par des homomorphismes. Donc les homomorphismes, c'est quelque chose d'assez souple. Donc souvent, l'information qu'on va arriver à attraper de nature topologique, elle aura l'avantage déjà d'être invariante au système de coordonnées dans lesquelles on observe les phénomènes qui nous intéressent. C'est-à-dire, si on a un phénomène qui a des propriétés de périodicité, le fait que le truc soit périodique et qu'il y ait une espèce de structure circulaire dedans, ça ne va pas être très sensible, ça, au fait que je mesure comme ci ou comme ça le phénomène. C'est aussi très invariant aux déformations, aux homomorphismes, qu'un homomorphisme, ça peut être assez tordu. Donc, par exemple, si vous regardez l'image du haut, les trois exemples que j'ai, alors oubliez celui de droite, mais les deux, dans les deux, d'un point de vue topologique, les deux, ça ressemble à des points échantillonnés autour d'un cercle. C'est un cercle topologique, au sens une courbe simple fermée. Ça ne va pas être sensible au fait qu'il y en a un qui est convexe ou l'autre pas, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que les descripteurs topologiques qu'on va arriver à sortir, ça donne des espèces de représentations très compactes. Alors, il y a de la perte de l'information quand on fait ça, mais ça donne des informations très compactes sur les données. Donc, souvent, ça donne une façon de résumer les données de manière très compacte et du coup, accessible, j'ai envie de dire, à l'esprit humain. Des fois, vous pouvez avoir des très gros jeux de données en très grande dimension, mais vous arrivez à en dire des choses, à en tirer des descripteurs topologiques que vous saurez interpréter et comprendre. Ou que d'autres algorithmes sauront interpréter et comprendre assez facilement. Voilà, donc quand on fait de l'analyse topologique des données, je ne vais pas vous aller dans toutes les ramifications, mais il y a un schéma un petit peu général qu'on suit, c'est-à-dire au départ, on a des données, donc c'est un ensemble de points, hein, d'observations. Ça peut être pensé, si ça vous arrange et que vous ne voulez pas vous compliquer la vie, un nuage de points dans un espace euclidien. Pour faire émerger de la topologie de ce nuage de points, ce qu'on fait classiquement, c'est qu'on est construit sur ce nuage de points, ce qu'on appelle une filtration. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus. Jean-Daniel a un petit peu parlé. En gros, on construit des complexes simpliciaux dont les sommets, moralement, sont les points du nuage. Et c'est une espèce de façon de construire un espace topologique sur ces données-là. Alors, ce qu'on fait, on parle de filtration parce qu'en général, on le fait à plusieurs échelles en même temps. On ne choisit pas une seule construction, mais on en choisit toute une famille qu'on appelle une filtration. Et après, de cette filtration, on extrait des descripteurs topologiques. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la théorie de la persistance homologique. Et ces descripteurs, on verra tout à l'heure, ça vient sous la forme de petits diagrammes, comme ça, dans le plan.
et qui peuvent être interprétées comme des espèces de signatures topologiques qu'on associe à nos données et qui encodent un petit peu la topologie des données à toutes les échelles simultanément. Donc Jean-Daniel a dit dans l'exposé précédent que j'allais un peu répondre à la question du choix de l'échelle quand on construit et fait ce genre de construction. Alors en fait, ma réponse, c'est une réponse de feignant. Moi, je dis, je ne choisis pas, je les prends toutes en même temps, et puis comme ça, je regarde, je n'ai pas besoin de me fatiguer à choisir. Alors en fait, ce n'est pas qu'une raison de paresse, la raison pour laquelle on fait ça. Vous verrez dans un instant, c'est parce que c'est la bonne façon de faire, et c'est la bonne façon aussi pour s'assurer qu'on récupère de l'information pertinente. Que dire d'autre ? Alors, il y a aussi quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit quand on joue à ce jeu, qu'on suit un petit peu ce pipeline, c'est que il y a des tas de façons, si on réfléchit 5 minutes, à dire je vais construire une structure, un complexe simplicial dont les sommets seront mes données, et puis je vais regarder la topologie de ce truc-là, et puis je vais prendre ça comme descripteur topologique. Quand on joue à ce jeu-là, il y a quelque chose qui est important, c'est de s'assurer qu'on est en train de faire quelque chose qui est pertinent. C'est-à-dire que ce qu'on récupère en sortie, c'est bien de l'information, ce n'est pas juste du bruit. Donc ça, pour assurer ce genre de choses, ce qu'on fait, c'est quand on a des descripteurs topologiques, on essaye de prouver des résultats de stabilité pour ces descripteurs, c'est-à-dire on essaye de montrer que si on perturbe les données en un certain sens à définir, alors la façon dont le descripteur va être perturbé, la variation va être continue en fonction de la perturbation qu'on fait. Grosso modo, si je perturbe un petit peu mes données, je ne veux pas que mon descripteur il change brutalement. Sinon, ça veut dire que il y a peu de chances que ce que j'ai observé soit informatif, en fait, ou soit pertinent. Voilà, et on discutera un petit peu à la fin de l'exposé sur les aspects plus statistiques liés à l'étude de ces descripteurs. Donc, on va commencer. Donc, pendant l'exposé, on va suivre un petit peu ce pipeline. Donc, la première chose, c'est de voir comment on fabrique des filtrations. Qu'est-ce que c'est qu'une filtration déjà ? Alors, formellement, une filtration, c'est quelque chose de très simple. Hein. Vous donnez un ensemble X, donc si vous voulez, c'est votre ensemble de données, de points. Et puis, une filtration, c'est la donnée d'un complexe simplicial, dont les sommets sont les points de X. Et puis, avec ce complexe simplicial, en fait, vous donnez toute une famille de sous-complexes dans ce complexe simplicial. Alors, pour faire simple ici, pour ne pas se poser de questions, on va supposer que cette famille est indexée par R. Donc, pour toute valeur de R, vous donnez un sous-complexe, c'est un sous-ensemble de votre complexe simplicial, un sous-ensemble des simplexes de votre complexe simplicial, qui est lui-même un complexe simplicial, et puis vous imposez à cette famille d'être croissante avec R. Vous imaginez, vous partez au début, vous avez vos points de données, et puis vous faites grossir, et à la fin vous avez un simplexe, et puis un complexe que vous êtes donné, et puis une filtration, c'est une façon de faire grossir, depuis rien du tout jusqu'à votre simplexe, le complexe simplicial. C'est-à-dire croître pour arriver jusqu'à S. D'accord ? Dit autrement, c'est une façon d'ordonner les simplexes de S, de façon à ce que, quand je regarde tous les simplexes jusqu'à un certain rang, j'ai déjà un complexe simplicial. J'ai toujours un complexe simplicial. Ce n'est pas une contrainte très dure, c'est juste une contrainte qui me dit, par exemple, je n'ai pas le droit de mettre une arête entre deux sommets si les sommets n'ont pas déjà été mis, n'étaient pas déjà là avant. Ou je n'ai pas le droit de mettre un triangle si les trois arêtes qui constituent le bord du triangle n'ont pas déjà été mises avant. Donc voilà ce que c'est qu'une filtration, formellement. Alors, il y a des exemples utilisés très classiquement. Je vais en citer quelques-uns qu'on construit classiquement quand les données, justement, on a une notion de distance entre les points. Donc il y en a un qui s'appelle le complexe de Vietoris-Rips. Donc le complexe de Vietoris-Rips, c'est juste, on se donne comme ensemble de sommets notre espace X, notre jeu de données X, et puis on va mettre une arête entre. Donc pour une valeur de A, dans la famille d'un X, on va dire que l'arête qui joint deux sommets, deux points XI et XJ est dans le complexe de Rips de paramètre A, d'indice A, si et seulement si la distance entre les deux points est O plus A. Et puis, quand vous allez mettre pour les triangles, vous allez dire qu'un triangle de sommet XI, XJ, XK est dans le Rips de paramètre A, si et seulement si le diamètre de l'ensemble de ces trois points, de ces trois sommets, est O plus A, etc. Vous rajoutez les tétraèdres dans
de cette façon-là. Donc, si vous voulez, c'est, pour ceux qui connaissent, un petit peu une généralisation de la notion de graphe de voisinage quand on dit je fais le graphe qui connecte tous les points qui sont à distance plus petite qu'un certain seuil que je me suis donné. Et là, je le fais en rajoutant les simplexes de toutes les dimensions que je veux. Et je ne choisis pas le seuil, je dis je le fais pour tous les seuils, et je vois ça comme une famille qui grossit de plus en plus de complexes simpliciaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le complexe de Ripps. Il y a un autre complexe que vous avez déjà vu avec Jean-Daniel, au moins dans le cas euclidien, mais qu'on peut très bien définir dans le cas d'un espace métrique quelconque, c'est le complexe de Cech. Donc c'est la définition varie légèrement de celle du Ripps, au sens où on va dire qu'un K plus 1 uplet de points de données est dans la filtration au paramètre A. Si quand je regarde toutes les boules de centre, chacun des XI et de rayon A, elles ont un point en commun, leur intersection est non vide. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus petit que la filtration du complexe de Ripps. C'est-à-dire c'est un sous-ensemble du complexe de Ripps pour toutes les valeurs de A. Et c'est quelque chose qui est intéressant, en particulier dans le cas euclidien, puisque vous avez vu avec Jean-Daniel le théorème du nerf. Il vous dit que ce complexe-là, il a le même type d'homotopie, la même topologie, que l'union des boules centrées en les XI de rayon 1. Et puis un dernier exemple, donc là vous avez des illustrations un petit peu au-dessus, un dernier exemple aussi qui est largement utilisé de filtration, c'est quand vous avez des données et qu'en plus vous avez une fonction définie sur des données. C'est-à-dire vous avez vos observations et puis en plus vous avez mesuré une quantité supplémentaire qui définit une fonction sur les données. Si vous avez construit un complexe simplicial sur vos données, par exemple si vous les avez triangulées ou quelque chose comme ça, en fait ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étendre la fonction qui est définie sur les sommets, qui sont les points d'observation, à tous les simplexes en définissant la valeur d'un simplex, en lui donnant juste comme valeur le maximum de la valeur, des valeurs de la fonction au sommet du simplex. Donc ça, c'est une façon de faire. Ça donne des valeurs à tous les simplexes. Et puis après, ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle la filtration par les sous-niveaux de la fonction f, qui consiste à dire le sous-complexe associé à la valeur d'indice a, c'est juste l'ensemble des simplexes de mon complexe s, construit sur les données, pour lesquels la valeur de la fonction est o plus a. Donc si vous réfléchissez deux secondes, vous verrez ça aussi, ça définit bien une filtration du complexe simplicial sur les sommets duquel ma fonction f était définie initialement. D'accord ? Donc vous pouvez imaginer par exemple vos points de x, c'est des positions de capteurs quelque part qui mesurent la température, et la fonction f, c'est une fonction qui donne la température. Vous pouvez faire une filtration par les sous-niveaux de ce truc-là. Si vous triangulez votre ensemble de capteurs, vous avez une filtration par les sous-niveaux et vous pouvez faire regarder comment ces choses-là grossissent. Donc voilà, donc après, ce qu'on veut faire quand on a ces filtrations-là, c'est essayer de comprendre, au lieu de choisir... Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait dire je choisis chaque échelle, pour chaque valeur d'indice, je regarde la topologie du complexe simplicial que j'obtiens et puis je considère ça comme mon information topologique qui m'intéresse. Alors, il y a quelque chose d'un peu... Alors ça ne marche pas très bien, en fait, ça donne des choses très instables. Par contre, il y a quelque chose qui est un petit peu plus malin et en fait plus informatif, qui est de faire la chose suivante, c'est de dire, puisqu'on a toute la famille là, comme ça, de filtration, donc on a une famille croissante d'espaces construits sur nos données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regarder la topologie pour chacune des valeurs, mais on va aussi surtout regarder la façon dont elle évolue. Quand je fais croître mon paramètre, là, l'indice A, qu'est-ce qui se passe? Comment la topologie de mes sous-complexes évolue? Et ce que va faire la théorie de la persistance, c'est qu'en fait, elle va me donner une façon extrêmement compacte et simple d'encoder l'évolution de la topologie de ma famille croissante d'espaces ou de complexes. Et elle va se représenter, on verra dans quelques instants, sous forme d'un petit diagramme comme ça. Alors, juste quelques mots avant de parler un petit peu plus de la persistance. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, je ne vais pas vous donner une définition formelle de la persistance, parce que ça pourrait être l'objet d'un cours entier. C'est quelque chose qui demande d'introduire un peu de matériel,
et quelques notions que je n'ai pas vraiment le temps d'introduire. Ce que je vais faire, c'est de vous donner l'idée générale, et puis si vous avez l'idée, après, c'est essentiellement de la technique. Mais disons qu'il y a tout un cadre mathématique et une théorie mathématique qui sous-tend ces idées de persistance. Alors après, c'est quelque chose qui a été formulé, formalisé en tant que tel au début des années 2000, essentiellement par des travaux d'Herbert Edelsbrunner, puis à peu près à la même période de Gunnar Karlsson. C'est une théorie qui s'est énormément développée depuis, donc les 15 dernières années. Mais quand on regarde un petit peu, finalement, les idées de la persistance, alors il y a toujours des discussions un petit peu sur qui a été le premier. Et en fait, quand on regarde un petit peu, ça remonte à des idées de Morse dans les années 40, du Morse, de la théorie de Morse. Et donc l'avantage de la persistance, c'est que ça va nous donner une sorte une information topologique multi-échelle, c'est-à-dire que quand on a ces familles croissantes de complexes, ça ne va pas juste donner l'information à une échelle donnée, mais ça va nous donner l'information à toutes les échelles en même temps, et en plus la façon dont elle évolue. Ça, c'est quelque chose dont je ne parlerai pas du tout, mais c'est quelque chose qui se calcule efficacement, c'est-à-dire calculer la persistance d'une filtration d'un complexe simplicial. Il existe un algorithme qui est extrêmement simple. Il y en a après, il y a des variantes, etc. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire efficacement. Je reviendrai, quand je dis efficacement, je reviendrai un petit peu dessus plus tard. Il y a des librairies qui font ça, hein, logiciels. Maintenant, ce n'est pas si vieux que ça, mais vous pouvez calculer vos diagrammes de persistance chez vous sans problème. Et puis, ce qu'on verra surtout, c'est que la persistance, ça possède des propriétés de stabilité remarquables qui vont nous garantir que quand je regarde cette information topologique-là, ce que j'ai, c'est bien de l'information et ce n'est pas du bruit ou des choses complètement aberrantes. Donc, allons-y, essayons de définir, ça va être un peu avec les mains, la persistance. Donc, on va commencer par quelque chose de très simple, on va commencer par la persistance, l'homologie persistante pour des fonctions. Alors, pour des fonctions, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire très simple, on va commencer, on suppose qu'on a cette fonction-là, là, qui est définie sur l'intervalle 0,1. Je vous ai dessiné le graphe, hein, y égale f de x. Et puis, la filtration qu'on va prendre, alors on va un petit peu oublier là, le fait d'avoir un complexe simplicial ou pas, mais grosso modo, la filtration, la famille croissante d'espace qu'on va regarder ici, c'est les sous-niveaux de la fonction. Donc imaginez, vous faites monter le niveau de l'eau là, sur le graphe de la fonction, et puis vous regardez ce que vous remplissez avec l'eau au fur et à mesure que le niveau monte sur le graphe. D'accord ? Ou si vous voulez, vous prenez une droite horizontale, vous la balayez de bas en haut, et vous regardez ce qu'il y a en dessous de cette droite-là, et comment ça évolue quand on fait monter la droite. Donc là, si on regarde un petit peu ce qui se passe, je vais le faire sans le pointeur, c'est que tant que vous êtes en dessous, alors j'ai perdu les indices, il y avait des indices là, ils ne s'appellent pas tous A, il y avait un A1, A2, A3, A4, A5, A6, je ne sais pas pourquoi mes indices sont partis, mais bon. Donc en gros, tant que vous êtes en dessous du premier minima local, qui est un minima global de votre fonction, là, quand vous regardez les sous-niveaux, ils sont vides, il n'y a rien. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur la topologie. Quand vous arrivez au premier minima local, ce qui va se passer, c'est que vous avez ce minima, et dès que vous le passez, il apparaît un petit intervalle, le sous-niveau, ça devient un petit intervalle. Alors comme on regarde une fonction ici de R dans R, grosso modo, les sous-niveaux, ça va être des unions d'intervalles, et la seule topologie, information topologique qu'on a à récupérer de ce genre de choses-là, c'est le nombre d'intervalles qu'on a dans l'histoire. D'accord ? Donc, quand vous passez le premier minima, vous créez une composante connexe dans la filtration. Il apparaît une composante connexe. Donc, ce que va faire la persistance, c'est qu'elle va noter cette date de naissance d'une composante connexe, et puis elle va dire, je vais la surveiller maintenant. Donc, je continue à faire monter ma droite horizontale jusqu'à ce que j'arrive au deuxième minima, qui est là à droite. Quand je suis à la deuxième minima à droite, qu'est-ce qui va se passer pour les sous-niveaux ? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une deuxième composante connexe qui va apparaître, qui va se créer. Donc dès que j'aurai dépassé un petit peu ce minima-là, quand je regarderai le sous-niveau, il y aura, si vous voulez, deux intervalles dans le sous-niveau. Donc, à nouveau, ce que fait la persistance, elle dit, ah, il s'est passé quelque chose ici, le nombre de composantes connexes a changé, il y en a une de plus, je garde cette information-là. Alors, je continue, j'arrive au troisième changement dans la topologie des niveaux, qui est le troisième minima, et là, à nouveau, une nouvelle composante connexe apparaît. Donc, dès que j'ai passé ce troisième point critique,
je me retrouve avec des sous-niveaux qui ont trois morceaux, trois composantes connexes. Et là, à nouveau, je garde cette information-là, sachant que les deux autres qui étaient créés avant continuent à vivre leur vie. De leur côté, là où il se passe quelque chose de nouveau, c'est quand j'arrive au quatrième point critique, qui est un maximum local ici. Et ce qui se passe, c'est que la première composante connexe créée et la troisième se retrouvent, se mettent à se toucher et n'en deviennent plus qu'une. Donc, si on regarde un peu la vie des composantes connexes, ça veut dire que j'en avais trois juste avant, je passe, il n'y en a plus que deux, il y en a une qui est morte. Alors, persistance, c'est quelque chose de complètement immoral, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la règle qu'elle applique, elle dit « celui qui est mort, c'est le plus jeune ». C'est-à-dire la composante la plus récemment créée dans la filtration, je décide que c'est elle qui meurt. Donc je gardais l'information sur cette composante-là depuis sa naissance, elle meurt, donc j'arrête le segment là qui traçait sa vie. D'accord ? Je continue à faire grossir, à faire monter mon seuil. Quand le seuil atteint le deuxième maximum local, eh bien maintenant, à nouveau, ces deux composantes n'en deviennent plus qu'une, et j'applique la règle, celles qui sont en train de se fusionner, merci, c'est celle qui était là dès le tout début, plus celle qui était arrivée en second. Donc, règle de la persistance, celle que je fais mourir, c'est celle qui est arrivée en second, fin de l'intervalle qui mesure la durée de vie de la composante apparue en second. D'accord ? Et puis après, je continue. Là, celle qui était apparue au tout début, ben, elle est toujours là jusqu'à la fin des temps. Je peux faire monter le seuil autant que je veux, elle sera toujours là. D'accord ? Qu'est-ce que je récupère quand j'ai fait ça ? Je récupère une famille d'intervalles où chaque intervalle, en fait, ça me donne les extrémités de cet intervalle. Le premier, c'est l'apparition d'un événement topologique. Ici, là, c'est très simple, c'est la naissance d'une composante connexe. Le deuxième, c'est la disparition d'une composante connexe qui a été absorbée dans une composante connexe qui était là avant elle, plus ancienne. Et donc cette famille d'intervalles, c'est ce qu'on appelle un code-barre de persistance. Alors il y a une autre façon de représenter ces codes-barres qu'on appelle un diagramme de persistance, sous forme d'un diagramme de persistance. Alors ça c'est très simple, c'est que quand vous avez une famille d'intervalles sur la réelle, de la forme qui commence à A qui termine à B, vous pouvez dire mon intervalle je peux le représenter aussi par un point dans le plan de coordonnées AB. Je lui donne comme coordonnées son abscisse, c'est le début de l'intervalle, son ordonnée, sa fin d'intervalle, et c'est une façon complètement équivalente d'encoder un code-barre sous forme d'un petit diagramme de points qui se trouve au-dessus de la diagonale dans le plan. Et chaque point correspond à la vie d'un événement topologique dans ma filtration, et son abscisse étant sa date de naissance dans la filtration, son date d'apparition, son ordonnée étant la date à laquelle elle meurt. Alors l'idée qui est un petit peu là-dessous, tout là-dessous, c'est que plus un intervalle va être long, ou plus un point va être de manière équivalente loin de la diagonale, plus cet événement topologique, d'une certaine manière, est pertinent au sens plus il dure longtemps dans la filtration. Maintenant, quelque chose qui va apparaître et disparaître très vite, ça va donner un point très près de la diagonale, un tout petit intervalle, et on va plus tendance à avoir pensé que c'est de nature à être du bruit. On l'observe peu de temps, donc ça donne intuitivement une idée ou une hiérarchie qui permet de hiérarchiser l'importance des événements topologiques, même si je n'ai pas défini ce que j'entendais exactement par événement topologique, au cours de la filtration. Mais ici, on est dans un cas où la seule chose qui nous intéresse, c'est la vie des composantes connexes. D'accord ? Ça va ? C'est à peu près clair ? Bon, si vous avez compris ça, vous avez à peu près tout compris. Alors, il y a quand même quelques subtilités. On va faire un petit peu plus dur. On va toujours rester dans le monde des fonctions. Je continue toujours sur des exemples à vous faire la persistance. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est une fonction. Alors là, elle est plus définie sur l'intervalle réel, mais c'est la fonction hauteur. Alors, je me donne cette espèce de surface, là, qui est un espèce de tore cabossé. Et puis, la fonction que je regarde, c'est la fonction, la projection là, sur l'axe des Z. Donc là, vraiment la fonction hauteur. Vous avez l'axe des Z, vous regardez à quelle hauteur sont les points. Ça vous définit une fonction à valeur réelle. Et à nouveau, je regarde la filtration par les sous-niveaux de cette fonction-là. Alors, cette filtration-là, bon, on regarde, on fait monter, on va passer des points critiques et on voit qu'il y a des changements dans la topologie.
Je ne vais pas vous refaire le coup là, des composantes connexes, hein, vous avez compris. Là, ce qui m'intéresse un petit peu plus dans ce cas-là, c'est que y a, les niveaux maintenant, les sous-niveaux, ça ne va pas être des unions d'intervalles, c'est des choses plus compliquées, comme on est sur une surface. Et dans la topologie de ces choses-là, ce qui apparaît en particulier, qui va nous intéresser, c'est des cycles, ce qu'on appelle des cycles. C'est-à-dire que quand vous partez en bas et que vous faites grossir, vous allez, bon, au début, c'est vide. Au bout d'un moment, vous allez taper dans le premier... dans le minimum de la fonction, et puis après ça va commencer à grossir, là ça va vous faire un disque topologiquement, vous allez aller jusqu'à un deuxième minima local qui va créer aussi une composante connexe. Quand vous arrivez au troisième, cette composante connexe en fait elle est absorbée par la plus grande, donc on est exactement dans le cas précédent, donc elle meurt, c'est le petit intervalle rouge qu'on voit là. Mais il se passe une chose un tout petit peu plus haut, c'est quand, enfin ou plutôt entre les deux, c'est quand vous arrivez dans le trou là, du tore au point le plus bas. Là, ce qui va se passer, c'est que votre disque, si vous avez un petit peu d'imagination, donc votre disque topologique, il grossit, grossit, et là, le bord du disque va se pincer et va se refermer. Et là, ce que vous êtes en train de créer, c'est un objet qui va avoir un cycle. C'est-à-dire une courbe fermée qui tourne comme ça et qu'on ne peut pas écraser sur un point qui n'est pas le bord de quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cycle. Donc, vous voyez apparaître un cycle au moment où on arrive en bas du trou. Et si je continue à grandir comme ça, quand j'arrive en haut du trou, ben, en fait, ce que vous avez, c'est un espèce de tuyau courbé, là, si vous regardez le sous-niveau, topologiquement, et puis à un moment, les deux bords du tuyau courbé, ils vont se mettre à se retoucher. Et finalement, je vais voir apparaître, quand j'arrive en haut, un nouveau cycle, qui, lui, est le cycle qui tourne autour de cette espèce de trou du tore. D'accord ? Et là, ça va me faire à nouveau la naissance d'un cycle. Et comme pour les composantes connexes, je joue au jeu de « je regarde quand ça arrive » et puis je les traque à travers les échelles quand je fais croître mes seuils. Et vous voyez, à la fin, alors c'est si que je continue, il y a un moment où on arrive à nouveau à une espèce de col en haut, et ce col, c'est à nouveau là. Donc on a refermé, on a une espèce de tore auquel il manque un disque sur le truc, en haut, et à nouveau on retombe sur un cas de figure où le bord de ce tore auquel on a enlevé un disque va se repincer à nouveau et recréer à nouveau un nouveau cycle, qui est le cycle bleu horizontal là en haut. D'accord ? Donc à nouveau, je garde cette information-là. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand j'arrive au maxima suivant, ben, ce cycle, il se retrouve bouché. C'est-à-dire, le trou qu'il a créé, ben, il est, vous voyez, ça fait un petit disque qui le referme. Et donc, il n'est plus là une fois que j'ai passé ce seuil-là, je ne le vois plus. Alors, il est devenu le bord de quelque chose. Donc, il meurt. Je mets fin à sa vie, à l'intervalle que j'avais commencé au moment où je l'ai vu apparaître. Quand, par contre, les deux autres cycles, eux, ils restent pour toujours. Ils sont là éternellement, ils sont à aucun moment, ils se retrouvent bouchés quand je continue à aller en haut de la filtration. D'accord ? Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait avant, sauf que comme on est dans une dimension plus grande, il y a de l'information plus riche que juste la connexité des sous-niveaux. Il y a aussi le nombre de cycles qu'il y a dans ces sous-niveaux-là. Alors c'est là que la théorie de la persistance devient un petit peu plus compliquée et demande un petit peu de technologie, en particulier quelques outils de topologie algébrique dont je ne vais pas parler, je ne vais pas entrer dans les détails, qu'on appelle l'homologie, mais là ce que je fais c'est avec les mains. Maintenant, si on veut définir proprement ce que j'entends par être un cycle, quand est-ce que je décide que deux cycles finalement représentent la même chose? C'est-à-dire que le petit cycle là en bas horizontal, si je le fais coulisser le long là, de la partie gauche de mon tore, ça va me donner un autre cycle, géométriquement, mais d'un point de vue topologique, c'est un peu le même objet. Donc si on veut donner du sens à tout ça, et puis dire quel est le nombre de cycles indépendants qui ne sont pas les mêmes, etc., là on a besoin d'un petit peu d'artillerie mathématique, c'est ce qu'on appelle l'homologie. Mais disons que je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'homologie, ça nous permet de formaliser tout ça très proprement, et d'écrire des choses rigoureuses et précises et de donner un sens à tout ça autrement que des explications avec les mains comme je suis en train de vous faire depuis tout à l'heure. Alors, si ça vous gêne un petit peu et que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez penser à toute la suite de l'exposé en disant que pensez que au cas des composantes connexes qu'on a vu, qui lui, là, vous pouvez le rendre rigoureux très facilement. Et en fait, les composantes connexes, c'est encodé par ce qu'on appelle l'homologie de dimension zéro. Les cycles là qu'on a vus, qui sont des cycles de dimension 1, c'est ce qu'on appelle, cette information-là, elle est contenue dans ce qu'on appelle l'homologie en dimension 1. Et puis, imaginez un cas en dimension un peu plus grande, par exemple un objet de dimension 3, ce qui va pouvoir se créer aussi, c'est des cavités.
espèces de bulles vides à l'intérieur de votre truc, de votre objet. Et ces bulles-là, ben, ça va donner lieu à ce qu'on appellera des cycles de dimension 2 et qui seront encodés par de l'homologie de dimension 2. Si vous avez encore plus d'imagination, imaginez en dimension plus grande, vous pouvez imaginer ce que c'est qu'un cycle de dimension 3, 4, 5 et la dimension qui vous plaît. Mais on peut étendre l'homologie comme ça dans toutes les dimensions. D'accord ? Voilà, donc si ne vous effrayez pas avec, je ne veux pas dire de trop de gros mots, ça s'appelle de l'homologie, c'est quelque chose de très standard, mais vous pouvez très bien penser composante connexe et dire moi, je suis très heureux avec l'homologie de dimension G0, et vous aurez les idées essentielles de la théorie. Alors, pourquoi ça c'est intéressant ? Alors c'est intéressant pour la chose suivante, c'est que qu'est-ce qui se passe maintenant pour ces diagrammes qu'on construit ? Si on perturbe un petit peu la fonction, donc je reviens un petit peu au premier exemple qu'on avait vu là sur R, imaginez qu'au lieu d'avoir ma fonction rouge, j'en ai qu'une approximation, qui est cette espèce de courbe bleue, qui est pleine de bosses, qui est un petit peu cabossée. Alors cette courbe bleue, elle a beaucoup plus de points critiques, de minima locaux et de maxima locaux. Donc quand je vais faire jouer au même jeu que tout à l'heure, je vais voir apparaître beaucoup plus souvent de composantes connexes, je vais aussi voir beaucoup plus de morts de composantes connexes, mais ce qui va se passer, c'est que comme c'est des petites oscillations, en fait, les nouveaux points qui vont apparaître dans le diagramme vont être très près de la diagonale. Si vous faites l'expérience avec ce petit exemple-là, vous verrez quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'en rouge, ce seraient les trois points qu'on aurait en faisant la filtration par les sous-niveaux de la fonction à partir de la courbe rouge, et puis si on le fait à partir de la courbe bleue, ce qu'on voit, c'est que on obtient aussi trois points qui sont près des points rouges, et puis tout un paquet d'autres points, mais qui se trouvent très près de la diagonale. Alors ça, c'est pas un hasard, c'est en fait, ça résulte d'un théorème, qui est un théorème absolument fondamental pour la persistance, qui vous dit, si vous avez, donc f c'est votre fonction rouge par exemple, g c'est la perturbation bleue, l'approximation. Et bien si vous calculez le diagramme de persistance de chacune des deux fonctions, je les appelle df et dg, ben la distance entre ces deux diagrammes là, c'est-à-dire si mes fonctions sont proches, c'est-à-dire si je perturbe de pas plus de epsilon les valeurs de la fonction f pour obtenir la fonction g, les diagrammes de f et de g vont pas être perturbés de plus que epsilon. Alors, ça, c'est le théorème. Il y a ici quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est comment on mesure la proximité entre des diagrammes de persistance. Alors, pour ça, il y a une métrique qui est bien fichue, que je vais vous définir, qui marche et qui donne ce résultat-là. Donc, l'idée, un petit peu, c'est de dire, soit mes points sont très loin de la diagonale et ils vont pas bouger de plus de epsilon, soit ce qui va se passer dans une bande autour de epsilon autour de la diagonale, ben, il peut y apparaître des tas de petits points, mais ils vont rester dans une bande epsilon proche de la diagonale. Donc la métrique qu'on va mettre ici sur le diagramme, c'est une métrique qui va nous dire que ça, c'est proche, quand on est dans ce cas de figure-là. Alors ça, c'est le premier théorème de stabilité de la persistance qui lui donne tout son sens. C'est un théorème qui n'est pas très très vieux, hein, qui a une douzaine d'années, qui a connu des tas d'autres développements. On en verra une autre version. C'est en fait un théorème qui est juste un cas particulier d'un théorème algébrique beaucoup plus général, qu'on appelle le théorème de stabilité générale pour la persistance, que je rementionnerai sous une autre forme tout à l'heure. Mais disons que ça nous garantit, ce genre de résultat, que si je calcule le diagramme de persistance d'une fonction, si je ne connais pas ma fonction exactement, que je la connais à une epsilon près, ce que je vais trouver, c'est le bon diagramme. Je vais attraper la cible, qui est le vrai diagramme de persistance, à epsilon près. Je suis sûr de ne pas faire de bêtises si j'ai un bruit de taille epsilon autour de ma fonction. Oui ? Alors, je ne veux pas... Je l'ai laissé pour que l'énoncé soit juste. Je ne veux pas vous le définir proprement. C'est-à-dire que c'est un théorème qui est très général. Par exemple, il ne demande pas aux fonctions d'être continues. Donc, il y a une espèce de fonction, de notion de thème-ness ou de modération pour les fonctions qui assure que c'est une condition qui dit qu'on peut bien définir le diagramme de persistance. C'est-à-dire, si vous êtes sur des complexes simpliciaux finis, comme on a vu tout à l'heure, et que vous regardez n'importe quelle fonction définie au sommet, vous serez toujours dans ce cas-là. Vous avez des fonctions suffisamment régulières, vous serez toujours dans ce cas-là, pas forcément continue. Disons que c'est pour éviter des cas sauvages où on pourrait même pas... Parce que c'est une théorie qui marche de manière très, très générale, et disons que ça nous prévient
de certains cas très sauvages pour lesquels on ne pourrait même pas définir la notion de diagramme de persistance. Enfin, on peut en discuter après si ça vous intéresse, mais j'ai juste laissé le thème pour qu'il n'y en ait pas un qui me dise « mais non, mais j'ai un contre-exemple ». Alors, je vous ai dit quand même qu'il fallait un peu parler de distance entre les diagrammes, et il faut que je me dépêche un petit peu aussi. Donc la distance entre les diagrammes, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait c'est une distance de matching. Donc quand on a deux diagrammes, ici vous avez un diagramme, il y en a un c'est des points, l'autre c'est des croix. Ce que vous pouvez faire, c'est de chercher les appariements entre les croix et les points, et puis ces appariements bijectifs. Donc il faut faire attention dans un diagramme de persistance, les points peuvent avoir une multiplicité, parce qu'on peut avoir deux événements topologiques qui naissent au même moment et qui meurent au même moment, ça vous donne deux fois le même point. Donc vous cherchez les appariements bijectifs comme ça entre les points, et comme les deux diagrammes n'ont pas forcément le même nombre de points, il faut avoir une espèce d'élément qui va absorber ce qu'il y a en trop d'un côté ou de l'autre, donc vous vous autorisez en plus d'apparier avec les points de la diagonale. Alors techniquement, ce qu'on dit, c'est que quand on définit le diagramme de persistance, on rajoute les points de la diagonale en leur donnant tous une multiplicité infinie. Donc ça permet d'apparier avec des points de la diagonale. Et puis, vous cherchez l'appariement, le meilleur appariement possible. Le meilleur, ici, c'est au sens où vous cherchez celui qui, pour lequel le déplacement maximum d'un point d'un diagramme vers l'autre diagramme est le plus petit possible. Donc c'est une espèce de distance de matching. On sait calculer ça. C'est la bonne notion au sens où, vous voyez l'exemple précédent, si les points loin de la diagonale ne bougent pas de plus de epsilon, et puis qu'après, autour de la diagonale, dans une bande de epsilon, on rajoute ce qu'on veut, tout ça, on pourra le matcher sur la diagonale, rematcher les points au-dessus, et on n'aura pas perturbé le diagramme de plus de epsilon. OK ? Alors, je suis vraiment très en retard, donc je vais accélérer un petit peu. Je veux juste vous mentionner un petit peu, déjà, quelques applications, juste, c'est pour montrer un peu des images sans plus. De la persistance, d'utilisation de la persistance déjà dans le cas de fonction. Donc, Jean-Daniel en a parlé rapidement, mais par exemple, la persistance, la zéro-dimensionnelle persistance qui traque les composantes connexes, des sous-niveaux ou des surniveaux, hein, on peut jouer dans les deux sens, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour faire du clustering. En particulier, quand on regarde le diagramme, si on a des données, et puis qu'on a par exemple une fonction qui va être un estimateur, qui nous dit quelle est la densité des données en chaque point, un estimateur de densité. Si on essaie de clusteriser ça, de trouver les modes de la densité, c'est-à-dire les espèces de maxima locaux qui sont les plus proéminents, qui ont une vie longue, ben on peut calculer la persistance de cette fonction-là, essayer de repérer s'il y a une séparation entre ce qui est candidat à être du bruit qui traîne autour de la diagonale, ce qui est nettement séparé de la diagonale, et puis on compte le nombre de points qui sont nettement séparés de la diagonale, ça nous donne le nombre de clusters qu'on devrait chercher ou qui est pertinent de chercher. Et à partir de là, on fait retourner notre algorithme et on peut encore jouer un petit peu avec la persistance pour récupérer exactement le bon nombre de clusters et le bon clustering à la fin. Je ne vais pas vous en dire plus, mais disons que c'est un petit peu ça l'idée, c'est que la persistance peut apporter une information supplémentaire qui va aider à clusteriser, à déterminer le nombre de clusters et à classifier ensuite. Après, d'autres applications très jolies qui ont été faites par le groupe de Konstantin Michaïkov, qui est à Rutgers, et par quelqu'un qui s'appelle Miro Kramar, qui est postdoc chez nous en ce moment, c'est par exemple pour essayer d'analyser des choses assez complexes comme l'étude. Et donc ici, ils se sont intéressés à l'étude des champs de force qui interviennent dans des milieux granulaires. Donc vous avez des milieux granulaires, c'est des milieux où vous avez des particules qui sont des petites boules et puis elles exercent des forces les unes sur les autres. Donc dans ce milieu-là, vous avez une espèce de champ de force. Et puis, qui évolue au cours du temps, c'est assez compliqué, là, c'est une illustration de la norme du champ de force dans un petit morceau du domaine qui regarde. Et puis, c'est assez compliqué à comprendre et analyser. Donc l'idée, c'est d'essayer de construire des descripteurs. Au lieu d'essayer de lire ça directement, ben, on regarde la persistance de la fonction définie, par exemple, par la norme de la force qui s'exerce sur chaque particule. On regarde le diagramme de persistance, et puis comme c'est des champs de force qui évoluent au cours du temps, on récupère une série temporelle de diagrammes de persistance, et puis là, dans la série temporelle de diagrammes de persistance, on peut regarder comment elle change, comment elle évolue, et essayer d'exploiter des changements particuliers dans cette série temporelle, dans les diagrammes, pour en tirer des conclusions sur des choses qui se passent au niveau du champ de force. Donc c'est un petit peu là, utiliser la persistance comme une espèce de façon de simplifier un phénomène, des lunettes qui vont observer des descripteurs associés à votre phénomène, beaucoup plus simples. Et après,
tout un travail, c'est de savoir si ça, effectivement, ça a un sens physique ou si ça dit des choses. Donc il y a des applications qui vont dans ce sens-là. Toujours par les mêmes gens, il y a le même genre de, exactement la même chose pour des phénomènes de dynamique des fluides. Donc, quand on regarde certaines dynamiques de fluides, des phénomènes de convection, il y a des patterns qui apparaissent, on voit apparaître des patterns. Donc là, à nouveau, on a une espèce de fonction définie sur des images, 2D ou 3D, suivant qu'on regarde des fluides en 2D ou en 3D. Et puis, ils évoluent au cours du temps. Et on peut regarder les diagrammes de persistance. Alors là, en dimension 0 pour voir le nombre de patterns, et en dimension 1 pour voir les cycles, etc. Et à nouveau, on récupère des séries temporelles de diagrammes et on essaye d'en dire des choses sur des phénomènes finalement qui sont très complexes et très difficiles à attaquer directement. Il faut juste faire attention ici, je ne prétends pas que la persistance encorde toute l'information, loin de là. C'est vraiment, il faut voir ça comme un espèce d'invariant ou un descripteur, et puis qui porte une partie de l'information, mais qui est beaucoup plus simple à analyser et à interpréter que ce qui se passe si on regarde le phénomène directement. Alors après, il y a eu des tas d'autres applications. Hein. J'en cite quelques-unes qui ont été faites chez nous, mais on peut utiliser comme ça la persistance sur des fonctions pour faire de la reconnaissance de gestes. Donc ça, c'est des images de mains filmées avec une Kinect où les gens bougent les doigts pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis on a envie d'avoir un algorithme qui va être capable de reconnaître la position de la main. Ben ça, avec de la persistance, on sait assez bien faire ça. Il y a aussi, on sait mélanger ça avec des techniques de machine learning et on récupère des outils pour faire, par exemple, de la reconnaissance de position ou de pose de certains de personnages, par exemple 3D, etc. Bon, c'est juste pour vous montrer quelques images. Alors, il me reste très peu de temps. Je veux quand même très rapidement parler aussi de l'autre cas. C'est le cas où on n'a pas de fonction sur nos données. Et ça, si on reprend le pipeline, alors je vais vous refaire exactement, on peut rejouer à la même chose avec la persistance. Donc là, l'idée, c'est qu'on va plutôt faire grossir un complexe simplicial, et à nouveau, on joue à suivre la topologie. Alors là, je vous le fais très vite, parce que vous avez tout compris avec les fonctions. Au début, qu'est-ce qu'on a? On a notre nuage de points, ici. Je vais faire la filtration du complexe de RIPS. Donc au nuage de points, c'est autant de composantes connexes qu'il y a de points. Je fais grossir un petit peu des boules autour, et je regarde l'union des boules, là, par exemple. Donc ici, ce qui se passe, c'est que les boules se mettent à se toucher, il y a des composantes connexes qui meurent, tac, 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 j'ai mon code barre qui... des intervalles qui s'arrêtent, qui meurent, qui marquent des moments de mort, et puis il y a certains moments où vont apparaître des cycles de dimension 1. Alors à nouveau, je joue le même jeu, je note quand ils apparaissent, puis après je les suis. Ces cycles, il y en a certains qui se retrouvent bouchés au bout d'un moment, un premier là, après, le deuxième qui restait se retrouve bouché aussi. À la fin, j'ai un gros pâté avec des grosses boules. Il n'y a plus de topologie là-dedans. C'est un gros machin connexe qui ne porte plus rien comme topologie. Je récupère mon code barre, comme tout à l'heure. Ce code barre, je peux le voir comme un diagramme aussi, exactement de la même façon. Et voilà, une façon d'associer un diagramme de persistance à un jeu de données. Et là, on peut vraiment penser, là, le paramètre... ce qui paramétrise ma filtration, c'est vraiment le rayon des boules, donc c'est vraiment un paramètre d'échelle. C'est-à-dire que je regarde vraiment l'évolution à travers des échelles de la structure de mon jeu de données. Alors, à nouveau, dans ce monde-là, qui en fait est exactement le même que le précédent, si on réfléchit un petit peu, enfin, on a des théorèmes de stabilité. Alors, au lieu que ce soit si deux fonctions sont proches, alors leurs diagrammes de persistance sont proches, là, le théorème, c'est si deux jeux de données, deux espaces métriques sont proches, alors leurs diagrammes de persistance sont proches, pour la distance bottleneck à nouveau. Alors, comme il ne me reste plus du tout de temps, je ne vais pas insister sur les définitions, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est, si je suis proche, alors ici c'est proche au sens de... les jeux de données sont proches au sens de la métrique de Hausdorff. C'est-à-dire, si mes deux jeux de données, la distance de Hausdorff entre mes deux jeux de données est plus petite que epsilon, leurs diagrammes de persistance sont à distance plus petite que epsilon. Alors, comment un exemple d'application aussi, très rapidement, c'est, par exemple, on s'est amusé à faire ça pour faire de la classification de formes, donc 3D. Donc, au lieu de regarder les formes 3D et d'essayer de les classifier directement, alors c'est des formes qui représentent des objets en plus qui sont non rigides. C'est-à-dire que ça peut être plusieurs fois le même objet, mais dans des positions différentes. Donc ça, à classifier directement ou à reconnaître que c'est le même objet directement, c'est quelque chose qui a été difficile, très délicat, enfin, qui est un vrai problème difficile. Donc là, l'idée, c'est de dire,
Au lieu de regarder ces objets-là en tant que tels, je vais construire des diagrammes. Je vais regarder ça. Je vais construire des diagrammes de persistance sur ces objets-là. Hein, je les discrétise. J'en fais des nuages de points. Je calcule leur diagramme de persistance. Et puis après, au lieu de comparer les objets directement, je compare leur diagramme de persistance. Je calcule la distance bottleneck. Et puis on s'aperçoit là, avec des techniques standards de réduction de dimension, que ça marche très bien. Les différents types d'objets 3D se retrouvent regroupés à des endroits différents dans l'espace des diagrammes. Je vais très vite, c'est juste pour vous dire. Donc on utilise un peu ces descripteurs topologiques comme des mesures discriminantes. C'est-à-dire que les théorèmes de stabilité ils me disent si deux diagrammes sont loin, ça veut dire que forcément les objets, les jeux de données de départ étaient loin les uns des autres. Par contre, comme tout descripteur, ou comme la plupart des descripteurs, ça ne veut pas dire que si deux diagrammes sont proches, les deux jeux de données sont proches. C'est vraiment des mesures discriminantes, ce n'est pas des choses qui me garantissent que si je vois les mêmes diagrammes, j'ai les mêmes objets derrière. Alors, pour... je vous ai parlé vraiment là de la persistance comme un outil pour faire de la TDA. Je vous l'ai introduite un peu avec les mains. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai un petit peu dit, mais c'est un sujet qui est en très très fort développement depuis une quinzaine d'années. Et à la fois du point de vue mathématique, c'est-à-dire il y a eu énormément de travaux de nature mathématique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un objet très algébrique, la persistance. Donc il y a eu des tas de travaux sur, pour essayer de comprendre la structure algébrique de la persistance dans des cadres très théoriques. Il y a eu des extensions et des généralisations de la persistance, qui sont d'ailleurs utiles pour faire de l'analyse topologique des données. Il y a eu des approches aussi statistiques pour essayer de comprendre cet objet-là d'un point de vue statistique. J'aurais malheureusement pas le temps d'en parler. Et puis, en même temps, il y a eu aussi énormément de travaux, et il y a toujours, de travaux de nature algorithmique, parce que je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on sait calculer efficacement et qui est assez facile à calculer. Alors ça, c'est vrai. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, mais que vous avez peut-être remarqué, c'est que quand vous faites une filtration de complexe de RIPS sur un nuage de n points, si vraiment vous allez jusqu'au bout de la filtration, ce que vous obtenez, c'est un simplex à n sommets, parce que vous allez connecter tous les simplex possibles vont être là. Donc c'est un simplex à n sommets, donc un simplex de dimension n-1. Et le nombre de faces d'un simplex de dimension n-1, donc ce simplex, c'est un complexe dont les faces sont toutes les faces du simplex de dimension n-1, c'est 2 à la puissance n-1. Donc vous imaginez, si vous regardez toutes les dimensions de cette filtration en même temps, si vous allez jusqu'au bout, vous vous retrouvez avec 2 à la puissance n-1, un objet sur lequel vous devez calculer la persistance qui a 2 à la puissance n-1 simplex à traiter. Donc les objets, les structures qu'on construit sur ces nuages de points, en général, sont très très grosses. Et ça, ça rend l'algorithmique de la persistance, et ça soulève des tas de questions à la fois théoriques et algorithmiques importantes auxquelles on sait répondre en partie. Mais là, il existe encore des tas de problèmes ouverts et des tas de choses à faire. Ça n'empêche pas qu'il existe quand même des logiciels qui permettent de calculer efficacement, dans des cas raisonnables, la persistance. Et après, il y a d'autres façons de contourner. Je crois qu'il est temps que j'arrête. Donc je ne vais pas, malheureusement, je ne vais pas parler de la partie statistique, qui est une façon en fait d'adresser aussi ces problèmes, notamment de taille de simplex. Donc je vais juste sauter à la fin. Donc il existe toutes sortes de travaux de nature statistique sur la persistance, qui conduisent aussi à des applications intéressantes. Donc il existe je vais juste faire une chose quand même. Que je veux, parce que c'est important, un petit message à vous faire passer, c'est que ces théorèmes, c'est pas bien, je vais finir sur une note qui a l'air un petit peu négative, mais ces théorèmes de stabilité, là, comme celui que je vous ai énoncé juste avant, ils sont jolis sur le papier, mais ils soulèvent quand même un certain nombre de problèmes, alors trois en particulier. Alors ces trois problèmes, ce n'est pas des problèmes qui sont complètement ouverts, mais ce n'est pas des problèmes non plus qui sont complètement clos. Il existe encore des tas de questions liées à ces problèmes-là. Alors, le premier, je vous l'ai dit, c'est le problème de la taille des complexes qu'on manipule. Donc ça, c'est vite ennuyeux, ça peut être vite ennuyeux, donc il faut trouver des solutions pour contourner le problème. Il y en a un autre, c'est que la stabilité ici, si vous vous souvenez, pour les fonctions, je vous ai dit, c'est par rapport à la norme sup. Donc c'est-à-dire que
Ponctuellement, je n'ai pas le droit de perturber mes fonctions de plus de epsilon à chaque point. Et puis, en termes de filtration construite sur des nuages de points, c'est la distance de Hausdorff. Alors, la distance de Hausdorff, si j'ai un outlier, c'est comme l'a dit Jean-Daniel tout à l'heure, je suis perdu, parce qu'un outlier, ça me change complètement la distance de Hausdorff, ça me perturbe sauvagement. Donc là, c'est des théorèmes de stabilité intéressants, mais qui sont extrêmement sensibles au bruit et aux outliers. Donc on ne peut pas non plus les appliquer directement, ou s'en servir, ou pour se justifier, quand on est dans des contextes où il y a du bruit et des outliers. Et puis, il y a un autre problème que je n'ai pas du tout évoqué, qui est aussi un problème qui a généré là, depuis 2 ans à peu près beaucoup d'activités de recherche, qui est que les diagrammes de persistance, bon, bah, c'est joli, c'est des petits diagrammes sympas. La métrique bottleneck, c'est une métrique qui est quand même un peu tordue. Donc l'espace des diagrammes de persistance avec la métrique bottleneck, c'est un truc qui n'est pas très, très sympathique si on veut faire autre chose que regarder avec ses yeux les diagrammes. C'est-à-dire si vous êtes dans un contexte où vous calculez des milliers ou des centaines de milliers de diagrammes et que vous voulez faire des choses avec, par exemple, des moyennes. On ne sait pas faire la moyenne de 2 diagrammes comme ça. Alors que quand on fait de l'analyse de données, faire des moyennes, des choses comme ça, comprendre un peu la statistique des quantités qu'on cherche à inférer, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ça, on ne sait pas le faire directement dans l'espace des diagrammes. Non seulement on ne sait pas le faire, mais en plus, même si on savait faire quelque chose, ce serait très moche et on ne saurait pas l'interpréter. Donc là, il y a toute une activité assez intense, et là qui est beaucoup plus proche des questions de l'analyse des données et de l'apprentissage, qui est de comment est-ce qu'on peut transformer ces diagrammes, trouver d'autres représentations de la persistance qui vont être beaucoup plus linéaires, sous forme vectorielle, sous d'autres formes. Est-ce qu'on peut construire des noyaux aussi pour faire de l'apprentissage là-dessus? Et comment on peut le faire de manière pertinente? À nouveau, quand on dit de manière pertinente, c'est de manière à garder des propriétés de stabilité, à garantir qu'on ne va pas... Donc c'est des espèces de... Il faut trouver des transformations continues qui vont de l'espace... des diagrammes munis de la distance bottleneck dans des espaces plus sympathiques où on va représenter la persistance, mais il faut que ces transformations soient encore continues pour ne pas perdre les belles propriétés de stabilité qu'on avait avant. Et ça, donc, ça a donné, je vous passe très très vite, lieu à toutes sortes de travaux, dont ceux-là. Par exemple, on sait représenter par ce qu'on appelle des landscapes et sous forme de courbes, des familles de courbes. On peut lire la persistance aussi à travers des familles de courbes. Et là, les familles de courbes, c'est des objets beaucoup plus linéaires qu'on sait moyenner. Et là, on arrive à récupérer des tas de propriétés de stabilité intéressantes et de choses comme ça. Donc là, c'est par exemple, c'est pour revenir un petit peu sur une des premières images au début où je vous avais montré des données d'accéléromètre. Ben là, par exemple, avec des données d'accéléromètre, on arrive à distinguer des gens qui marchent, au moins sur un exemple jouet. C'est un exemple jouet, mais ce n'est pas un exemple anodin, au sens où les séries temporelles, Jean-Daniel l'a un petit peu dit, c'est un terrain de jeu assez extraordinaire pour les approches topologiques en analyse de données en ce moment, à la fois sur le plan académique, mais aussi pour des tas d'applications industrielles, dont certaines liées à ce que je vous montre aussi. Par exemple, on travaille en ce moment avec des entreprises qui s'intéressent vraiment à faire des choses avec ce genre de données. Voilà, donc je suis désolé d'avoir un petit peu dépassé, de ne pas avoir eu le temps de vous parler de statistiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter, je serai ravi de me rattraper et de me faire pardonner. Juste, je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier aussi les travaux que je vous ai présentés, qui sont essentiellement des travaux qui viennent de chez nous, enfin de notre équipe à l'INRIA, sont le résultat aussi de toute une... de travaux en collaboration avec plein de gens que je tiens à remercier aussi, même s'ils ne sont pas tous là, loin de là. Et puis, il faut quand même finir par un petit peu de pub maison, maison pour Jean-Daniel, puis pour notre équipe. C'est que si vous voulez jouer à faire de la persistance, il existe maintenant sur le marché, alors c'est sur le marché, mais c'est gratuit en plus, si c'est pour des fins de recherche, une librairie qui s'appelle Goody, qui est une librairie en C++ qui vous implémente à peu près tout ce que je vous ai raconté, et plus encore, en particulier qui calcule la persistance sur des filtrations de complexes simpliciaux, même si vous faites vos propres filtrations à vous, ça vous le calcule. Si vous aimez le C++, vous l'avez en C++. Si vous aimez le C++, que vous préférez les gros serpents, vous pouvez le faire en Python. Et si vous aimez ni le C++ ni les gros serpents, mais que vous êtes un fan du logiciel R, il y a même une interface à cette librairie sous forme d'un package R qui s'appelle TDA, qu'on avait développé
avec une équipe à Carnegie Mellon. Voilà, je vais arrêter là. Je précise que Jean-Daniel ne m'a pas payé pour que je fasse de la pub pour Goody. C'est de bon cœur. Et je vous remercie pour votre attention.